Bienvenue sur paperjamtvmagazine.lu pour un reportage dans les coulisses de Maison Moderne à quelques heures de la pause estivale. Première étape, l'eau de l'ange et les locaux flambant neufs de Media Sales. Et premier constat, ici, ça sent le pneu. Nous assistons à une scène d'une violence extrême. Attention, âme sensible, s'abstenir, cigarette, surf au bureau. Manucure. Les seuls à tenir le rythme sont les derniers arrivés, victimes de mobbing de la part de leurs collègues confortablement installés dans leur poste et leurs habitudes. Certains des plus faibles souffrent d'épuisement professionnel. Même le café n'y fait plus rien. Et, pendant ce temps, d'autres se la coulent douce. Des images désolantes. Il est essentiel, il est nécessaire de dénoncer ces pratiques intolérables. Regardez plutôt. Deuxième étape de notre grande enquête, les locaux historiques à bonne voie. Notre grande reporter, 1m80, a réussi à pénétrer dans ces locaux surprotégés au péril de sa vie. Et ce qu'elle y découvre nous laisse sans voix. Le secret de la créativité des équipes du content marketing est ainsi révélé. La réalité du terrain est bien loin du mythe de l'entreprise. Un affligeant spectacle. Du côté de la comptabilité, on ne perd pas les bonnes habitudes. L'essentiel, c'est de faire l'inventaire précis avant le départ. Les RH, elles, s'activent encore à sélectionner les meilleurs candidats pour les annonces ouvertes. Du côté du club, on s'active à préparer Pierre, le stagiaire, à la dure réalité des Summer Breaks aux USA, où il va bientôt se rendre. Magali, elle, a disparu. Vincent, lui, se prépare à révéler sa véritable nature. Au guide, on bosse fort sur la prochaine édition. Les stagiaires donnent tout ce qu'ils ont. Exclusif. On a retrouvé le fils de Pierre Richard. On a retrouvé Magali et Sarah. Rudy, lui, se prépare à affronter la perspective des 15 prochains jours sans présence au bureau, avec calme et sérénité. Les correctrices, sous-employées grâce aux compétences grammaticales exceptionnelles des journalistes, travaille sur les derniers textes à relire avant le départ. La rédaction de Delano innove avec les 10 choses à faire et les 10 choses à ne pas faire pendant les vacances. L'équipe d'Explorator s'est préparée une liste des meilleurs établissements à découvrir pendant les 15 prochains jours pour satisfaire leurs papilles. Chez Paper Jam, c'est l'effervescence. «
Jean-Michel tiennent une conférence de rédaction restreinte de haute tenue. Véronique, elle, a trouvé son dernier scoop qui va faire trembler tout le microcosme militaro-industriel luxembourgeois. Et, pendant ce temps, la rédaction web est sur la brèche, dans un état de fraîcheur surprenant. Un contrôle antidopage est prévu à la sortie des bureaux. Chez les webdevs, on fait du webdev. Chez les graphistes, on met la dernière touche aux pages de la rentrée. Ces images peuvent heurter les plus jeunes. Éloignez-les de l'écran. Stéphanie, elle, s'offre une pause sudoku. Arnaud, lui, se détend. Conrad, de son côté, s'assure de la climatisation des serveurs. Mike, lui, est déjà parti. Le service de sécurité a malheureusement réussi à nous expulser des locaux de Maison Moderne. À vous, les studios !